La team, j'espère que vous allez bien. Ben, comme vous savez, Chai est dans son 9e mois et là, on s'en va à la maternité. On pense que c'est le moment. On pense que c'est le moment. Du coup, on s'en va vérifier. Si c'est ça, de toute façon, vous allez voir le vlog. Si c'est pas ça, on va revenir à la maison. Donc, on y va ensemble. Bon, la team, donc la direction, l'hôpital. Regardez, figure des femmes en train de s'en va. Accoucher. Enfin, on ne sait pas si c'est ça. Comme je vous ai dit. On ne sait pas si c'est ça, mais on soupçonne que ça soit ça. Donc, on s'en va. Voilà, et à quoi? Mais comme ça, la vie, hein, tu sais. Tu es habitué maintenant, hein? Écoute. Les vieux, là, la priorité, là, c'est pas pour eux aussi. Oh, ils s'en vont seulement. Et vous comprenez déjà faire vos vies. Comment ça va faim? Tu sais que c'est pas la fin? La fin vous écoulez. La fin fait pas perdre les autres. Donc la team, en tout cas, on y va. On vient d'arriver à la maternité. Regardez là. Oh. Le mal. Donc, on a laissé la valise de truc dans la voiture. Vu qu'on ne sait pas d'abord, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est ça. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Et puis, on avisera ensuite. Donc, on vous tient au courant. A tout de suite. Mais pourquoi il n'y a pas de me faire fonfon? C'est ça la fête des bébés d'amis. Les gars, Shaima a de fortes douleurs. Bon, aujourd'hui, on est mercredi. On était parti dimanche, on dit c'est pas ça. Donc aujourd'hui, on est mercredi 29. On est 29 août. Elle a de fortes contractions. Enfin, de fortes contractions. Elle a de fortes douleurs. Et ça fait une heure qu'elle avait des douleurs. Elle a commencé à avoir des contractions. Il n'y a pas longtemps. Des contractions là. Elle a commencé à avoir des contractions. Et elle a très mal. On sait pas si c'est maintenant, mais en tout cas, je suis là, je suis avec elle et puis on va essayer de vous filmer. Donc, on est là. Attends. Elle a beaucoup de contractions. Elle est en train de faire les escaliers. Regardez là. Escalier. On est jeudi, c'est avec ses filles. Regardez, elle est fatiguée un peu. On est tous éclatés, regardez ma tronche. On ne dort pas là, franchement. On ne dort pas. Quand il fatigue sa mère, elle ne peut pas dormir. Moi aussi, je ne peux pas dormir. Donc,
On est là. Il commence tous les jours à 20h. Genre de 20h jusqu'à 3-24h. Numéro de mouvement, contraction, contraction, contraction. On pense que c'est le moment, mais pas encore. Depuis près de 2 semaines, on est dedans. C'est... On me comprend ma tête, vous savez. C'est fatigant, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est les enfants. Vers 16h. Donc, on y va. Bon, la team, là, ils nous ont pris en charge. Et voilà. On pense que c'est le moment. On dit qu'elle est ouverte à 1h30, c'est ça? 1h30, on va prendre son dossier. Enfin, ils vont prendre son dossier, ils vont revenir. Et puis, ils vont nous dire ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'on va faire pour la suite. Donc, voilà un peu. Sachant que demain, c'est mon anniversaire. Sachant que c'est son anniversaire demain. C'est cadeau d'anniversaire. Dans 1 heure, c'est mon anniversaire. Donc. Mais bon, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire. Si c'est ça, en tout cas. Ne faites pas attention à ma tête, tout ça. Je suis fatiguée. D'accord. Donc, je vous tiens au courant. Je vais pas pointer la caméra tout le temps comme ça. À tout à l'heure. Et puis là, on avait commandé un petit. Avant de venir, on a commandé un chicken. Je peux pas m'arrêter de. On a commandé à loco avec poulet braisé, bon poulet braisé, bon à loco. Le gars a dit ça attend de venir. Ça a commencé, on a dû venir. Donc actuellement, c'est sa soeur qui a réceptionné la nourriture. Elle dit qu'elle a des douleurs, que c'est dans son bassin. Qu'elle a des douleurs au niveau du bassin, qu'elle a fait. Il te dit je vais aller prendre par chocolaté, de l'eau, tout ça, je sais pas. Mais je l'ai demandé, s'ils disent non, on peut pas, je te dis. On est sorti un peu pour faire la marche. Faut qu'elle marche un peu. Mais... On pense que Chai a fissuré la poche, enfin elle a fissuré, on pense que la poche s'est fissurée quoi. Parce qu'il y a un liquide qui a coulé. Genre ça a coulé même, comme sachet d'eau qui est percé, de toute façon ça fait 6-7 gouttes par terre. Ça a coulé sur son pied, sa mousse, sa jeté. Tout a coulé. On est revenu, on attend l'infirmière. Ne faites pas attention à ma tête, le docteur est venu après ça. Après ça. Le docteur est venu à faire un test et tout. Le docteur dit que non, c'est pas la poche des os qui a fissuré et tout. Donc, vous allez rentrer chez vous, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, encore une fois, on est rentré chez nous à la maison. On pense que la Chai a vraiment rompu la poche des os parce que quand est tout cela? L'eau coule, l'eau genre coule, coule, coule. Et tout ça coule. C'est de l'eau. Je vais vous montrer. Regardez.
voilà l'eau là. Bon la team, on s'en va à l'hôpital comme ça. On a déposé les filles chez la soeur de Charles et on s'en va à l'hôpital. Bon la team, là on va à l'hôpital, là on a pris la route. On espère que cette fois-ci ça c'est la bonne. Ouais, franchement avec toutes les eaux que tu as perdues là. Pas... Si c'est pas la bonne, vraiment, ça va nous étonner. Bon, donc là, on s'en va. Bon, on peut pas beaucoup garder la lumière allumée dans la voiture comme ça. On va l'éteindre tout de suite. Quand on arrive à l'hôpital, on vous dit, vous allez voir de toute façon. Allez. On se suit. On vient d'arriver à l'hôpital. Elle était là, des douleurs au bassin. C'est la nuit. Oui, là, c'est toujours la nuit. Ne regardez pas mon visage, je suis éclatée au sol. Le gars a subi ou c'est qui m'avait commandé. Et le juge fait. Toi, tu es enceinte, tu as mal, et puis c'est toi qui parle. À tout à l'heure, la team. La team, là, on est en chambre de pré-travail. Ils sont en train de faire un monitoring à chaque fois. Pardon, faut recommencer. Ah ouais. Tu as soufflé. Hey, je suis vilaine derrière. Fais ça. C'est trop noir en fait. Hey, un coup d'assouffle. Il n'y a pas plus de lumière. Voilà, ballon en haut là. Donc, on attend. On attend les voir. Et c'est KO. Moi, je suis archi KO. Je suis en train de dormir. Là, on est. Elle est en train de faire du ballon. La pauvre. Et encore. Je vois bébé Nanou là, il fait des phases. Et encore. Bon la team, apparemment le travail n'a pas encore commencé. Mais elle a perdu les os, donc ils lui ont mis ça. Et du coup, ce qu'ils ont mis sur son bras, vu que la poche des os était fissurée, c'est pour lui mettre des antibiotiques pour ne pas qu'il y ait des infections par rapport au bébé. Enfin, c'est pour protéger le bébé, un truc comme ça. Et si jamais, jusqu'à je ne sais plus quelle heure, parce que quand tu arrives, on dit 24 heures plus tard. Si j'en dis 24 heures plus tard, t'as pas de contraction, t'as pas commencé le travail, on t'appelle pour te déclencher. Mais bon, moi le lendemain, elle m'a écrit pour me dire justement que ça a commencé. Ils sont en train de la faire monter en salle, donc je vous mets la suite. En fait, je fais les interactions pour pas que vous soyez perdus, parce qu'il y a des moments où j'ai pas forcément pu filmer, où on n'a pas forcément pu filmer parce qu'on était un peu pris dans le truc et tout. Voilà. Coucou la team. Alors là, moi je vais retrouver Shai à l'hôpital. Ils l'ont appelé pour la faire monter en salle d'accouchement. Moi j'ai déposé les filles le matin à l'école. Là je prends la route pour aller à l'hôpital. Elle m'a appelé pour me dire qu'ils l'ont appelé pour monter, pour aller en salle d'accouchement. Et je vous jure, je suis épuisé physiquement. Surtout physiquement. Bon la team, on est dans la salle d'accouchement. Le travail va commencer là. Du moins a peut-être commencé. Parce qu'il y a des contractions. Et pendant ce temps, je prends des forces. Elle peut pas manger. Elle peut juste boire de l'eau ou des jus. Mais elle peut pas manger. Donc elle va résister. Que Jules va lui donner encore plus faim. Peu après salade, César, Jules César. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Tu vas voir. Allez, Afrika.
Donc, on pense que dans les 4-5 qui vont suivre là, ça sera bon. À tout à l'heure. Les amis, je crois que là ça a commencé là. Là, là parce que là, la sage-femme dit que l'enfant est dans le bassin. La poche des os, enfin, ça avait saigné tout à l'heure, le liquide a continué à sortir. Elle a été dilatée maintenant à 3 doigts. Ça commence à descendre. Là, elle a de fortes contractions. Et ça dure depuis ? Hein ? Là, ça fait calme. Elle a de fortes contractions. Alors, voilà. Je pense voilà ici. Oh, mon visage est vidé, tu me montres comme ça. C'est qui est beau? Qui est beau en accouchant? Et puis tu es belle, mon épouse. Qu'est-ce qui t'a dit que tu es jolie? T'as vu mon nez? Tu es belle. C'est à cause de mon nez que les gens ont question. Sinon, ça. Et toi, t'es pleine contre mes parents. Mais... Tu es très belle. Parce qu'ils t'ont donné le gros nez. Et ton père, ta mère t'a donné le gros nez. Je sais pas où ils ont levé le nez là pour me donner. Bientôt fini. Bientôt libéré. Ok. Après 9 mois, après 2 périodes d'essai de 4 mois et demi, contraction. Mon bassin me fait mal. C'est normal. Je veux m'asseoir. Mais tu peux pas t'asseoir. Tu peux te mettre sur le côté si tu veux. Tu veux que je t'aide à te mettre sur le côté? Non, ça va. Bon, là on est à 4 cm. On est à 4 doigts. 4 cm, je sais pas. C'était si on est à 4. Il reste 6. Et pour bientôt. En attendant, on regarde la série Legacy. Legacies. Genre c'est la suite de Vampire Diaries et puis Original. Donc voilà. Ça va, chérie. Ça va, mon bébé. On va y aller. Je sais. Poche des os complètement rompu parce qu'au départ c'était fissuré, là ça a complètement rompu, tout a coulé. Contraction. Oui. Bientôt. Je pense qu'on en a pour hein? 2 heures comme ça, Max. C'est de plus en plus faux. Je sais que quand il parle là, ça l'énerve de me chiffrer. Même quand tu me poses des questions, même là, ça va? Je sais pas pourquoi. Non, ça va déjà. Dernière ligne droite. Souffrir. Je lui dis, je vais appeler le docteur, elle veut pas. Enfin, la sage-femme. Je l'appelle. Il est 17h43. 18h. Tu veux pas te coucher? Tu veux pas que je chante quelque chose pour toi? Encore moins. Hein? Tu veux qu'on appelle Chahi? Pas de fils, ça va, mais là ça coule encore. Voilà, team, il est 22h41, je crois.
22h41, elle est à 10 cm et le bébé est déjà en train de sortir, donc on ne va pas filmer, l'accouchement. Mais pour vous dire que rendez-vous tout à l'heure. Top, on va aller pousser. À tout. Bon, la team, maintenant il mange. Quoi de gars est là? Il est né à 22h, je sais plus combien. Donc, il va bien. Tout va pour le mieux. Il a fait du poids à poids avec sa mère. Il a fait du poids à poids avec moi. Là, il est en train de chercher à manger là. C'est oui, enfin, quelqu'un qui disait qu'à la maison ça va chauffer avec lui là. Quand tu entends c'est qu'il fait. En tout cas voilà, il va bien par la grâce de Dieu. Merci le Seigneur. Merci à vous aussi d'avoir été là. Et, on s'est dit à la suite. On s'est dit à plus pour la suite des événements.